choix d'avoir pour live pour la l'histoire et pour la vérité pas vrai du vrai live du grand live tu vois ça est-ce que nous well ok c'est pour nous je dis panas dit she love en plus que c'est sponsor et she love Perrin la personne panas dit lui voulait c'est lui même qui sponsor officiel Sheshe Game Over. Toute équipe la contente, Emilie content, Derline content, Greg Bull content, manager content, c'est buena buena, tellement nous content. Merci beaucoup, Panas. Et Panas dit, depuis au nom bagay, faut que je sente que vous là. Chaque vendredi, Panas dit, Sheshe, Sheshe Game Over, n'a pas eu mon cadeau. Donc, belle petite boombox ça là, que nous gardé là, c'est pour vous, nous, vous, nous, chéreur. Vous capable de chéreur, vous capable de top fan, vous capable de super fan, vous good. Really? Pour nous sonner pendant vacances là. C'est pour nous que lié ma baili pendant show. Bien entendu, moi gagne d'autres cadeaux. Moi gagne 3 bons d'achat ça que me pral bail. Partagez live, entendez? Partagez live pour faire live pour la vérité pour l'histoire du vrai live. 10e sortie Sheshe Game Over, nous très contents. Merci à Panaz, c'est sponsor officiel Sheshe Game Over. Merci à Digital Cap qui rejoignent nous tous. Merci à Zigisac Production qui toujours avec Sheshe Game Over. Merci à vous-même qui toujours branché. Merci à vous-même qui a partagé la live partout. Merci à Fanbase qui est très solide. Merci à tout le monde qui est sur le groupe Facebook Sheshe Game Over. Merci à Fanbase que nous avons constitué sur Instagram. Merci, merci Mikado. Mikado Panas, c'est la même famille. Nous sommes capables aujourd'hui, c'est Mayo Mikado qui est sous moi. Donc, moi bien content que nous commençons à l'heure. Parce que faut que nous prenions aujourd'hui là, c'est 10e numéro Sheshe Game Over. Au fur et à mesure, nous avons grandi, nous avons amélioré et nous comptons parce que nous avons fait chemin avec nous. Merci encore une fois à Panas Haïti qui rejoint Sheshe Game Over. Eh bien, on allait, Carlo Stert, nous avons parlé speaker. Nous avons parlé speaker Panas, qui est tout micro là-dedans. N'a pas eu bon achat ou tout, mais faut que nous bâillons information, faut que nous fassions des commentaires, analyse, parce que ça, c'est le socle, mais vraiment toile de fond, Sheshe Game Over. Donc, on allait. N'a pas allé en Espagne, parce que hier, yeah, l'équipe Real Madrid qui était à l'affiche, Real Madrid qui a joué face à Getafe. Déjà, et Real Madrid, pendant deux dernières sorties, c'est pas une équipe flamboyante, c'est pas une équipe qui a un football extraordinaire, mais c'est une équipe, des fois, qui a sensation que chancelant avec, même si il y a une pile décision polémique, que l'arbitre a pris en faveur Real pendant le dernier jeu de Sayon, sur les pénalties que vous avez fait, et goal, et par exemple, vous avez carton rouge pour vous faire dans qui match ça. Nous avons pile détails, comme si nous avons pile petit détails qui pensaient que vous avez fait favoriser Real Madrid. Mais en dehors de ça, Real Madrid est une équipe qui est conséquente. Une équipe, même s'il pas brillé, une équipe, même s'il pas ultra dominatrice, mais qui fait résultat, donc qui fait l'essentiel qui c'est victoire. Hier, Getafe était posé pas mal de problèmes à l'équipe Real Madrid, là, mais qui quand même rivait faire victoire. Ça, le victoire que Sergio Ramos Bayo, Ramos certes c'est un défenseur, mais Ramos qui convertit, c'est son ça, un buteur, d'ailleurs qui est top 4 meilleurs buteurs que l'Espagne et l'équipe Real Madrid dans le championnat espagnol. Là. Donc c'est Sergio Ramos qui fait gol sous penalty pour Blancos hier. Donc, ça fait quand même une 6e victoire consécutive pour Real Madrid. Ça veut dire qu'on a repris le championnat là depuis le 11 juin que vous avez commencé. Real a fait 18 sous 18. Donc, Real, c'est parcours parfait. Même pas yon match nul, yon poko bay. Donc, Real qui gagne. Sans pourtant, était belle. Sans pourtant, était extraordinaire. L'équipe Real qui déjà avec Thibaut Courtois dans le goal. Et Daniel Carvajal comme arrière droit. Dans les façons, tu as gagné Raphaël Varane avec Sergio Ramos. Malheureusement, pour Varane, il a pas frappé. Depuis la 30e minute, Varane est sorti, remplacé par le Brésilien Eder Militao. Et puis, comme arrière gauche, c'est Mendy qui était présent pour l'équipe madrilène. Dans le terrain, c'était Kroos qui était là. C'était également Casemiro et qui était là. Luka Modric. Attaque-là, c'était Isco qui était présent, Benzema avec Vinicius. Vinicius était sur le couloir gauche, Benzema était en point. Et puis, ben Isco de temps en temps passé à droite qui retournait dans l'axe. Benzema hier qui n'a pas fait goal, mais Beben qui quand même était joué dans une belle occasion dans le match. Il n'a pas profité de lui amplement. Vinicius n'a pas de quoi l'empire sur le couloir, non, mais ça pour autant être efficient. Zizou qui t'a pas fait divers changements dans l'équipe là, tant qu'au changement forcé, et Varane qui blessé, remplacé par Eder, ou encore, il était venu monter avec Rodrigo, et gagné tout
Asensio qui était monté pour yo, Federico Valverde, Mariano Diaz, donc Zidane qui continue avec système roulement. Par exemple, même dans des fois ça, yon match que doit c'est Marcelo qui joue comme arrière gauche, yon autre match c'est que doit c'est Mendy et seul moun yo que Zidane pas marié, c'est Karim Benzema. Donc si nous commençons dans l'attaque là, c'est Benzema qui est toujours là depuis reprise. Dans le terrain tout Zidane n'a pas manqué un joueur Takou Casemiro ou bien dans des façons Sergio Ramos avec Varane, c'est pas des monde que lui touché. Mais à part ça, de temps en temps, il essaie de varier. Un jour, il commence avec Hazard. Un autre jour, c'est Vinicius. Il y a des jours où il commence avec Rodrigo. Il y a l'autre jour, par exemple, hier, c'était avec Isco. Donc, Zidane, nous connaissons avec rythme que match a joué. C'est chaque 3 jours, chaque 4 jours que match a fait. Donc, Zidane qui essaie de faire roulement dans l'effectif, là, essaie de faire tout le temps de jeu. Et jusqu'à présent, ça a marché. C'est pas une belle équipe Real Madrid qui était hier, par exemple, face à Getafe, qui n'a pas de forte possession. Real qui même te montre cette inefficacité de Bagol là. Mais il a fait l'essentiel, même si c'est sous pénal. Sergio Ramos a été scoré. Et pour le Real qui enchaîne là avec une 6e victoire. Et à 5 jours de la fin, Real Madrid a 4 points en plus équipe FC Barcelone. Donc, nous capables de dire, Real à 60% jusqu'à 65%, Liga en amène. Pour qui ça? Parce que destin dépend de lui. Real Madrid, d'ici 3 prochains jours, depuis qu'ils font 9 sur 9 là, et ils ont pratiquement gagné le championnat. Même si tout le temps, Barcelone a fait 9 sur 9 tout. Parce que même son parcours parfait que Zizou a fait avec eux depuis leur recommencé. Donc, c'était un match qui a clôturé 32e jour de championnat hier. Par ailleurs, Real Sociedad qui a joué tout. Ils ont battu l'équipe espagnole Barcelona. Ils ont battu par 2-1. Il y a Osasuna qui a battu l'équipe Eibar par 2-0. Et hier après-midi. Donc, ça, c'était 32e jour. 32e jour, de fin joué. Real Madrid toujours était leader de championnat, 74 points. Ils ont devant FC Barcelone qui lui-même gagne 70 points. Et puis, dès jeudi, là, parce qu'en Espagne, ils n'ont pas appelé prendre pause. Depuis jeudi, ils ont commencé avec 33e journée championnat. Donc, une équipe qui est dans la 33e journée, où il était seulement 5 matchs qu'ils sont capables de jouer. Donc, Atletico, nous connaissons qui était joué pendant la mi-temps, ils ont fait 2-2 face à FC Barcelone. Atletico qui était côté sous Saúl Ñíguez, qui a fait 2 goals sous pénal. Ils ont joué jeudi et ils ont arrivé à faire victoire ça. Donc, dans l'occasion, 34e journée. Donc, 34e journée, manqué 4 journées. 33e journée, bouclé hier. 34e journée, a commencé jeudi. Manqué 4 journées pour le championnat fini. Donc, le championnat presque fini là. L'Espagne est supposé finir le 19 juillet, cap vini là. Donc, dans exactement 16 jours. Donc, l'équipe Atlético Madrid qui était à l'affiche, je bat Mallorca par 3-0. Et Atlético, par moment, qui te montre certaines inefficacités de Vangol. Ou bien, nous capable prendre le cas de Joao Félix, qui joue plusieurs occasions que le pas profiter de yo. Et puis, le Cholo a retiré, il a fait colère, pas content que Diego Simeone te retire, Joao Félix. Dans le match, ça a gagné Alvaro Morata, ancien attaquant équipe Real Madrid, qui font doublé pour Atlético Madrid. Morata qui était scoré dans 29e minute de jeu. Et Morata qui a fait gol tout dans le temps additionnel en première période pour continuer Rossio. Donc, Atletico mène 2-0 à la mi-temps sous Mallorca. Et puis, c'est milieu terrain, Koke qui a fait 3e gol pour Yo. Dans 79e minute, il frappe dévié de Koke qui est rentré dans le gol là quand même. Donc, Atletico a gagné par 3-0, ça qui permet de sécuriser 3e place par rapport à l'équipe de coup FC Séville. Atletico a 5 points en plus équipe Sevillana et cap gagne pour jouer après ça. Donc pour 34e journée ça et demain n'a pas Celta Vigo cap jouer face à Betis, Valencia joue demain après-midi contre Granada, mais équipe de tête c'est dimanche que a joué. Ça commence bonheur. Fanatique Real yo demain soir dormi bonheur parce que faut que nous lever bonheur pour nous capable garder match. Bah sûr que moi non match ça parce que quand même bonheur que j'ai un enfant. Donc, Real Madrid a peut-être Bilbao dimanche 8h du matin. Donc, comme qu'on y a là en Haïti, nous connaissons pas que l'église n'est pas ouverte au grand public. C'est sur les réseaux sociaux que nous prenons messe, nous prenons culte, dépendamment de ça, nous prenons messe. Donc, c'est bonheur pour nous lever parce que c'est à 8h du matin que match lui-même l'a fait. Real Madrid a un déplacement, la caille athlétique Bilbao. Dans le dernier match, il y a Eden Hazard pas là, c'est pas qu'il était blessé ou bien il était suspendu, c'est juste un système de roulement que Zidane mettait en place
Donc, c'est comme ça le fait. Il y a des matchs, il y a des joueurs qui étaient au repos. Donc, c'était le cas d'Eden Hazard, qui normalement doit être là pour le dimanche matin face à Bilbao. Dimanche, il y a Espanyol Barcelone face à Leganés, il y a Osasuna Getafe, et puis FC Barcelone face à Villarreal. Si matériel, c'est bon le matin à 8h dimanche. Match Barça, c'est tard de l'après-midi. À 4h, Barcelone a placé Villarreal. Barcelone, depuis le championnat a recommencé là, et côté que ils ont fait nul face à Séville, ils ont fait nul face à Celta Vigo, ils ont sauté fait nul face à Atlético. Donc, dans 6 matchs que ils ont joué déjà dans la reprise, ils ont fait 3 matchs nuls. Et ça a été une conséquence parce que non seulement ils ont perdu le classement au profit de Real Madrid, mais Real a gagné 4 points en plus. Et vous connaissez Villarreal, et pas jamais un adversaire facile, que ce soit pour Real Madrid, que ce soit pour FC Barcelone. Nous, une sérieuse opposition que Bilbao a fait Barcelone, ou encore Celta Vigo. Donc, l'équipe Sayo, c'est des équipes qui aiment jouer les troubles faites. Ce n'est pas des équipes qui apprennent la bataille pour titre, mais quand il s'agit de Real, de Atlético, de Barça, ils ont toujours aimé défendre Poyo, et ceci avec un pile vigueur, un pile détermination. D'autant plus que c'est Villarreal, El Madrid Galan, qui a pu recevoir FC Barcelone dimanche à 4h. Et bien, journée, ça n'a pas pu nous suivre lundi, notamment, nous connaissons FC Séville qui a joué face à Eibar lundi à 4h. Donc, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est l'équipe Real Madrid qui devant dans le classement Real avec 74 points. Équipe FC Barcelone dans le deuxième avec 70 points. Atlético saute jouer. Atlético gagne, donc Atlético gagne un joué match 34e journée par là, le 3e avec 62 points. FC Séville, le 4e avec 57 points, même si Séville t'a bat lundi, la vine à 60 points, le pape capable de prendre 3e place dans mes équipes Atlético. 5e, c'est Villarreal avec 54 points, donc Villarreal face à Barcelone, nous, son équipe qui a bataille pour l'Europe. Son équipe qui au moins voulait aller dans l'Europa League et si ils font un bon parcours là, qui est capable même aller en Champions League, c'est pas une partie de plaisir pour l'équipe barcelonaise. Et puis, Getafe 6e avec 52 points, Sociedad 7e 50 points, Bilbao 8e 48, Valence gagne 46 points, Li 9e, Granada 10e avec 46 points. Et puis, est-ce que vous pouvez rappeler ça? Oui, quand même. C'est Messi qui est top classement buteur en Espagne. Messi qui gagne 22 goals. Dans la deuxième place, je joue Karim Benzema avec 17 goals. Mais attention, Karim Benzema, depuis le 21 juin, il a fait goal pour Real. Il n'a pas scoré. Messi lui-même qui a fait goal pour l'équipe barcelonaise. C'était le 30 juin. Donc, c'était mardi dernier que Messi a scoré face à l'équipe Atlético qui a fait goal pour l'équipe barcelonaise. Et puis, notez, dans Yago Aspas, Luis Suarez, Aspas qui est dans Celta Vigo, nous avons Suarez dans Barcelone, Jérôme Moreno qui est dans Villarreal, lui-même, chaque, il a gagné 13 goals dans la 3e place, classement buteur. Et puis, je nous toujours fait après chaque championnat, il faut que nous prenions une pause fraîche, parce que nous n'avons pas qu'à proposer, même si nous prenons pas le championnat, nous n'avons pas qu'à passer, nous même sommes grain de mi-temps gagné. Si nous avons 2 mi-temps, 90 minutes, nous avons une pause fraîche à la 30e minute, après ça, nous avons une pause à la mi-temps pour nous venir pour l'autre pause, dans la 75e minute, mais comme son seul grain de pause que nous gagnons, nous avons une pause fraîche, et bien, on démarre avec Jude les Tax Services. Jude les Tax Services pour tout le monde qui est Florida, qui a besoin de faire taxe, contactez Jude les Ethiogènes. Jude les Ethiogènes a répondu, la bon conseil, la aide à ranger causer taxe. Eh bien, vous avez Jude Lé, non, 954-625-5300. Jude Lé, après live, le fait un tando. Assez dans l'inbox, Jude Lé, moi, pas tando, ça fait quelques jours. Vin dit, chichi, game over, un petit bonjour. Ça compte ça. Eh bien, on allait en Italie. Yoline, est-ce que tout va bien? Greg, est-ce que tout va bien? Oui. Napsone. Eh bien, avancez. Rappelons que chichi, game over, désormais, c'est pas naze. Qui patrouille. Depuis le Panaz, si c'est à la dalle tout, Mikado Haïti. Mikado, ou avez besoin Delma 46, en les belles mottes là, bon, c'est la même famille, c'est pas grave. Delma 46, et puis ou avez besoin Mikado tout, dans Delma 31, tout son besoin. Qui c'est pour Kayou. Même pour du beauté, Mikado gagne. Mikado, ok. On va aller en Italie. En Italie, 29e jour de championnat qui était bouclé hier, Atalanta Bayern Naples, une leçon.
que ce soit dans le niveau qualité jouet, dans l'efficacité, une équipe qui est bien organisée, une équipe qui a un football plaisant. Et ce n'est pas au hasard si on est en quart de finale de Champions League. Depuis la saison dernière, Atalanta a épaté les gens en Italie et la saison ça, ça a continué. Bien entendu, il n'y a pas autant de talent que Inter ou encore que Juventus. Mais son belle équipe avec des joueurs, c'est de niveau moyen, mais tout va gagner pour faire par exemple, ou je ne vois pas dans ton upgrade, ou pas pour regret que upgrade, ou jouer au football. Les gens qui aiment le football fou, même j'avais. Donc, Atalanta qui a joué face à Naples hier, qui a battu par 2-0, c'est quand même 4e victoire de suite pour yo. Yeah. Atalanta, donc depuis le championnat a commencé là, qui n'a pas perdu. 4 victoires de suite pour l'équipe Atalanta. Hier, on était contre sous Pasalic avec Gossens qui a fait goal. Mi-temps, on était fini 0-0. Donc, la deuxième mi-temps, on a passé l'équipe Naples 2-0. Ça qui permet de gagner 12 points d'avance sur Soma. C'est incroyable. Ouais. En Italie, nous manquons 9 jours pour le championnat fini. Mais c'est 12 points qui séparent Roma de l'Europe. Pas de l'Europe, forcément, mais de la Champions League. Parce que Roma 5e, Atalanta 4e, et il gagne 12 points. Donc, c'est 3 matchs, en quelque sorte, qui séparent deux équipes. Ça, ça va être compliqué pour Fonseca, vraiment compliqué pour Diallo aussi. Roma, justement, hier, qui a joué dans la 49e journée, ça tout. L'équipe AS Roma qui est perdue. J'ai Roma qui a perdu pendant mi-temps semaine. Alors, début semaine, face à Milan, c'était battu par 2-0. Et puis, yo, alors, au matin, le week-end passé, je crois. Ouais, le week-end passé. Il a été battu 2-0. Et puis là, il a vint perdu encore. Et Lasagna qui a fait goal. Roma et qui a joué des féroïdes depuis notre 30e minute. Diego Perotti, c'est lui-même qui a pris le carton rouge. Mais il a été dans tout ça qui passe. Donc, ils ont perdu par 2-0. C'est Oudi Lese qui battu. Et nous avons des conséquences que ça a gagné déjà. Roma était 5e et il y a 12 points qui séparent de Atalanta. Et qui pour dire que c'est même victoire ça, permet de l'éloigner provisoirement de la zone rouge. Parce que le 14e, donc le 14e était 9 journées dans le championnat pour qu'on ait relégué officiellement ou pas sauver du tout. Pour qu'on continue à gagner pour sauver pour. Donc, c'est deux matchs qui ont gagné hier pour être capable de clôturer la 29e journée du championnat. Atalanta a gagné Naples 2-0, Udinese a gagné AS Roma 2-0. Et puis, 30e journée a fait pendant le week-end. Le fanatique Cristiano Ronaldo. Juventus a joué demain. Juventus a joué derby qui a fait dans l'Allianz Stadium face à Torino. Match ça a été programmé pour 11h15 demain samedi. Demain, tout le monde a joué sur Lecce. Et puis, Lazio de Rome a joué face à Milan AC. Il y a un match que je suis content de voir. Lazio à 3h45 dans le stade olympique de Rome qui a joué face à Milan. Milan qui saute, font nul 2-2 face à Spal Ferrara malgré Spal est en infériorité numérique. Son autogol qui permet Milan de faire nul 1. Pour le week-end passé, Milan était battu trop bas. Donc, son équipe Milan, il joue le bon, il joue le pas bon. Il joue le meilleur, il joue le pas sable, il joue le pas bon. Donc, Milan qui a joué face à Lazio. Lazio que Simone Inzaghi a fait un travail intéressant là dans tout. Lazio qui, au moins, voulait battre Juventus au challenge sérieux dans le championnat. Parce que depuis, compté, depuis 2012, chaque année, c'est Juventus, Juventus, Juventus. Coach aller, coach changer. C'est encore Juventus. Comment c'est bouquet? Bah, ça a fait une autre équipe champion. Rien à voir avec Cristiano. Mais au moins pour compétitivité. Et c'est comme en Allemagne, par ailleurs. C'est comme en Allemagne. Le fait que chaque année, c'est Bayern qui est champion, le championnat allemand, il y a une saveur que le Pagan. Et l'Italie, presque tout n'est comme ça là, avec Juventus, 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 Juventus. Naples a tellement qu'il prend le nom il y a deux saisons de cela, mais il y a une boîte de Juventus passée. Et nous, la Dio, et certes, la Dio, t'es perdu. Mais après ça, il y a un reprend, il n'y a pas voulu Juventus distancé au net dans le classement. Donc, belle duel ça, Lazio de Rome, Milan AC, c'est pour demain samedi à 3h45. Et puis, dans dimanche matin, il y a Inter de Milan. Inter qui est deuxième dans le classement et qui a joué face à Bologne. Match ça fait à 11h15. Nous avons Udinese Genoa, Parme Fiorentina, Cagliari Atalanta, Sampdoria, Spal Ferrara, ouais, même si c'est tout, nous pas regarder à 1h30. Et puis, Naples AS Roma, c'est prêt à 3h45 que match ça fait. Nous souhaitons un match ça. Vous avez dit, c'était dans l'agenda pour moi. Dernier, c'est mon assistant. Naples face à AS Roma, et nous avons aimé, ouais, comment Naples prend le débattre. Parce que c'est deux équipes qui étaient perdues hier.
deux équipes Naples, c'est vrai, championnat paraît difficile pour eux, mais qui au moins voulait aller dans la Champions League saison prochaine. Et c'est également le même objectif pour AS Roma. Donc, dans mes comment il y a pas gérer face à face à l'équipe napolitaine face à AS Roma, c'est Naples qui a gagné pour recevoir dans San Paolo à dimanche 3h45. Juventus, je viens de dire, c'est leader championnat. Juventus qui gagne 72 points et Juventus qui a fait 59 goals en Italie, il prend 25 seulement et c'est plus bon défense là. Deuxième meilleure défense en Italie, c'est Lazio. Lazio qui prend 28 goals. Lazio tout qui est deuxième dans le classement avec 68 points. Troisième, c'est Inter de Milan. Inter qui gagne 64 points. Inter qui fait 62 goals. Et Lazio fait 66 goals. Donc Lazio, c'est plus bon attaque en Italie. Inter, c'est deuxième et meilleur. Il faut que nous pas oublier. Pas Lazio quand même. Atalanta a gagné 82 goals. Donc, de l'autre, Atalanta, Lazio, Inter, c'est trois pivots attaques en Italie. Pour Atalanta, 82 goals. Pour Lazio, 62 goals. Et puis pour 66 goals. Pour Inter, 62. Donc, le classement, Inter, troisième, avec 64 points. Greg, et pour moi, il n'y a pas d'assaut. Et pour mon oui. Moi, Greg, il n'y a pas d'assaut. Oh, ben, explique que c'est à l'époque de nous. Les gens qui font brûcher, ils ne sont pas inquiétés, nous allons montrer nous l'Italie, qui est le final d'Italie. Donc, nous avons dit que Inter 3e avec 64 points, Atalanta 4e avec 60 points, équipe AS Roma 5e avec 48 points, Naples 6e 45, donc tout le monde est là pour l'intéresser, Naples Roma. Une 6e 48 points, l'autre là est une 5e 48, une 6e 47, donc c'est 3 points qui séparent deux équipes. Ça, si Roma bat la propre place Naples, si c'est Naples qui bat, c'est il n'y a pas qui était équipe Atalanta, mais on verra. En tout cas, Naples 45, Roma 48, et puis Milan assez, lui-même, lui 7e à 43 points. Ciro Immobile, attaquant international italien, qui dans Lazio de Rome, c'est lui-même qui meilleur buteur en Italie avec 29 goals. Mais attention, le 29 goals Immobile, oh, ça n'a pas fait ça, non. On va brancher le papa. Nous, on sonne bien ça, quand même. Oui, oui, il fait ce que nous show live avec l'autre live, là, parce que là, le show live, là, nous avons remettre. Donc, Ciro Immobile 29 goals, il y a 11 goals que le fait sous pénalty. Nous imaginez si c'était Cristiano et midi d'après le pénalty. Ok? 11 goals sous pénal. Cristiano, justement, qui est deuxième de classe au buteur avec 24 goals. Nous jouons Lukaku, mais Lukaku, depuis qu'il n'a pas fait goal? Bon, depuis 24 juin. En tout cas, et pendant deux dernières journées, il n'a pas scoré. Lukaku, il y a 19 goals dans la troisième place. Je suis honnête par cœur. Joueur au Pedro, quatrième, lui-même avec 17 goals. Je nous dis là, après chaque championnat, il faut que nous passions. Moun ka partage l'âge, merci. Moun ka commenté, merci. Moun ki like, merci. Quel que soit côté, ou Haïti, même amour. Moun ki branché États-Unis, même amour. Moun ki Chili, Brésil, République Dominicaine, même amour. Moun ki dans Antilles, moun ki en Europe, moun ki en Afrique, en Asie. Parce que nous connaissons ces continents qui sont chichi, game over, merci. Mais ça me rappelle parler là c'est pour mon Haïti oui parce que si nous l'autre nous pas ca vivre et mon d'achat aucun qui était par mon Haïti pas vrai bon d'achat ça me gagne trois babay jodi chaque vendredi c'est comme ça pas toujours gagne bon d'achat nous m'a toujours gagne panas donc me gagne trois bon d'achat que me rappelle bail à mon qui partager live là plus yo partager partager repartager 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 sous qu'on partager 1000 fois pas de problème Facebook a bloqué tout simplement pas faire 1000 fois faire 30 fois vous comprenez 60 fois même donc pour qui partager oh partager live là voilà mon Instagram moi yo dernier fois checker Instagram moi comment ça marche est-ce que y a sonné m'a sonné sur Instagram mon Instagram moi yo et on a trois bons d'achat et 10e live là. OK, 10e live là, 10e minute vin là. Moi nous on a dit vin là, fin en bas live. Vin là, 10 minute vin là et la gbo d'achat. OK, bon bon d'achat mon qui partager plus. Mon bon ça mon pas mais pas dans ça, non? Gregory. Mais pas dans ça. Well, oh god, panas. Ça m'est vu panas. Panas. Et mais c'est pour me faire cadeau oui. Pour bien garder. Portable, Bluetooth, speaker, 3000 watts, ligue micro. Oh oh! Mais ça y est! Et tout ça qui est dans ça, nous avons des sacs même pas dans ce qui est dans ligue gold, donc ligue or, bon, pas de cœur, ligue or, ligue argent, ligue orange. Moi, je suis or là parce que champion, oui.
Donc tout ça, les radio, USB, Bluetooth, les gain remote control, oh, bah, sérieux. Mais sérieux, MP3. Ouais, ma pa elle. Ba ko mgen not no. En tout cas, mnegeta poter. Mnegeta poter, ça c'est pour bailler ton fan, c'est pour bailler un shareur, moun ka partager live plus. Moun chaque sachet of mette sous page qui partager, qui commenter, qui like li. Moun qui toujours partager page pour augmenter audience. Moun qui partager live, commenter, partager, rele moun, tag moun, rale moun. C'est pour nous, oui, talent ba di yes. Je vais juste monter le live là-bas au monde. Je ne sais pas si c'est ça. Limite, je suis cher, top fan, super fan, mais cadeau. Donc, tout ça pour me dire. Ok, je connais la prière. Tout ça pour me dire que ce n'est pas Naz qui sponsor officiel Sheshe Game Over. Le sponsor va négocier. Ouais, je parle à passer belle. Ok, mais je suis sûr que je vais passer belle tout. Merci à Digital Cap. Digital Cap qui a résolu le problème de la carotte. Parce que côté m'rete en là, excusez magistrat, vous connaissez tout amour que m'gen pour magistrat Wilson jeudi, c'est pas personnel, ok? Mais de la pas gen courant du tout. Donc franchement, c'est grave. Donc avec toute misère que m'ta passé dans la carotte, Digital Cap dit si l'offre, comment on fait garder match? Comment on fait garder feuilleton? Yo mette et parle au seigneur la carotte là. So, m'a fait noir encore, grâce à Dieu, pour faire même j'avais passé dans Digital Cap. Et Digital Cap dit que, pendant le mois de juillet, il y a pas de coupon, ok? Ma bien coupon rabais ou même qui besoin coupon ou coupon rabais, cherchez Jonas Shilov, ok? Moi j'ai des coupons rabais de 10% que Digital Cap, pas vrai Patrick? Digital Cap parle ben moins, m'a signé, me font petit mémo, me dit ok, ça c'est la personne de Shilov, super fan, veut lui accorder un rabais de 10%. Non, non, vous voulez pas faire anglais, français, espagnol, créole. N'a fait comme ça, vous avez 10% rabais avec le code de Shilov, avec le coupon de Shilov. Digital Cap, la boîte kit solaire. Ou ge gros bous ou ap jeune, ou ge ti bous ou ap jeune, à partir de $365, Digital Cap ap mette panneau solaire pour ou, la boîte inverteur, la boîte batterie. Attention, ba di bal ba nou pile batterie nou, ni pile et panneau. Sou ge $365, ou ap jeune assez de courant là pour garder Sheshe Game Over. Pabliye Digital Cap, c'est sous route Delma, crédit. Del, zone Delma 48. Soit descend Delma, virer tête à gauche, soit pour un seil là. Si vous montez Delma, passez à droite, dire allô, Digital Cap. On a avancé avec boulot. Je dis à nous, pour nos garçons, parce que nous sommes dans le cadre de la caille avec vous, vrai. Après, Greg dit que nous sommes dans le cadre. Donc, nous sommes pour nos garçons. Manager, si vous faites un petit là, je dis, manager, t'en fais pas, nous sommes dans le Nous allons aller en Angleterre parce que nous connaissons ces trois petits championnats que nous avons autant profité. Hein, parce que l'Allemagne est finie, la France n'a pas commencé. Et puis l'Angleterre, c'est nous étions là avec l'Espagne et l'Italie. En Angleterre, hier, il y a une équipe Tottenham. Tottenham qui a joué dans l'occasion de 32e journée, qui tombait face à Sheffield United, qui battait 3-1. Pour José Mourinho, c'est compliqué. Tottenham n'a pas même partie équipe. Qui est capable à jouer Europa League pour le moment. Bien entendu, si vous faites des victoires d'ici prochaine journée, vous êtes capable toujours de remonter dans le classement. Parce que comme un classement fait pour top 5 championnats, de 1 à 4, de la première à la quatrième place, l'équipe ça aller dans la Champions League. Bien entendu, pour l'Espagne et l'Angleterre, tous les quatre équipes vont aller dans la Champions League directement. Pour d'autres championnats, quatrième, nous avons obligé de jouer un match barrage quand même. Donc, pour le top 4, là, vous avez assurance que vous allez dans la Champions League. Maintenant, sous 5e ou 6e, ou dans le top 6 championnat, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, etc., ou pour aller dans l'Europa League. Même si l'Europa League là, n'est pas toujours comme ça. Parce que sous fin 5e, ou bien fin 6e, par exemple, l'équipe qui remporte la coupe là, n'est pas dans le top 6 là, c'est l'équipe qui remporte la coupe là qui a parlé de cette pays ou même moi fait les frais. Pour un exemple concret, si nous en Espagne, Villarreal finit 6e, nous connaissons Sociedad. Non, finale Coupe du Roi. Sociedad pas dans top 6. Si Sociedad remporte finale Coupe du Roi, c'est Villarreal qui va aller dans Europa League. Sociedad a placé en tant que vainqueur de la Coupe d'Espagne. Donc c'est ça, donc c'est toujours très important, au moins pour finir 5e. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant chaud, mais Denis, il faut faire quelque chose parce que j'ai chaud. Denis, c'est fameuse assistante, moi, elle prend toujours soin de moi quand elle veut. Donc, Sheffield, peut-être. Et essayez de mettre à 15, à 16, chilo. Et donc, tout d'abord, dit que Sheffield United gagne équipe Tottenham par 3 goals à 1 hier.
c'était deux matchs qui étaient restés dans le cadre 32e journée championnat. Donc avec victoire ça, et Sheffield lui-même l'y positionnait dans le top 10 sérieusement, alors que Tottenham n'est pas capable de progresser, Tottenham a éloigné de l'Europe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mourinho n'est pas capable de faire transition? Parce que Tottenham, comme tu as connu, 2017, 2018, jusqu'à 2019 avec Pochettino, l'équipe n'a pas gagné même production de jouets, l'équipe n'a pas gagné même efficacité devant goal là, et joueur tant que Dele Alli, tant que Minson, tant que Harry Kane, ou senti que yo tout par forme d'un coup. Est-ce que le problème c'est joueur yo? Est-ce que c'est Mourinho qui pour capable jouer une formule gagnante pour Tottenham là? En tout cas, rien ne va pour les Spurs. Hier, yo perdu face à Sheffield United qui bat 3-1. Et puis hier, on était pour plaisir pour me regarder Manchester City face à Liverpool. Liverpool fin champion. Donc on était City perdu dans avant dernière journée face à Chelsea. Et qui était battu, avant dernière journée. Donc le fait que City était perdu, ça a tout fait que l'équipe Liverpool l'a sacré. Est-ce que Liverpool a beaucoup fêté? Est-ce que monsieur a fêté trop? Mais hier, c'est un petit Liverpool face à City. C'est vrai, pendant 20 premières minutes, que ce soit avec Poto et Salah, parce que Salah a tiré le ballon à aller sous Poto, que ce soit double occasion avec même Salah et Sadé, goalkeeper Ederson est intervenu, Liverpool crée deux ou trois occasions dans le début match. Mais après ça, City vient étendre la domination net. Manchester City, et qui était côté Eric Garcia, c'est lui-même qui était dans la défense, parce que nous avons fait dans 10 minutes pour le carton rouge dans le dernier match. Bon côté de la porte, Mendy était sous couloir, Kai Walker, Mitter était Kevin De Bruyne, il y a Gundogan, Rodrigo tellement ratiboisé dans Mitter, ça, franchement, sont bons. Milieu récupérateur que lié, Rodrigo, qui sont espagnols, devant c'était Sterling qui était là, c'était également Gabriel Jesus, c'était Phil Foden. Donc, après 20 premières minutes, City est en domination. City s'est roulé l'équipe Liverpool là. Liverpool obligé à jouer une longue balle seulement. À part longue balle, Van Dijk de temps en temps qui vient sous Sané. Mais puisque ça n'est pas de jambes pour contre lui vraiment, Walker a surveillé, Eric Garcia a surveillé, ça n'est pas capable de sortir tête lui vraiment. Donc c'est de longues balles, Liverpool pas caquer le ballon, les Henderson, les Fabinho, les Wijnaldum dépassés par les événements et quand milieu de terrain ont dépassé, attaquant pas caquer le ballon, yo pas gon 10 vraiment qui était capable de descendre vin aider dans élaboration jouet là et distribuer des passes pour avancer tu. Donc il y a rien n'allait pour les Reds qui perdu 4-0 face à l'équipe Manchester City. Donc Manchester City je dis là qui était vraiment dominé sujet. Mais d'après l'ouvrir score par Kevin De Bruyne parce que Joe Gomez qui essaie de ceinturer Raheem Sterling dans surface réparation en but de bail pénal, Kevin De Bruyne l'ouvrir score pour City. Après vingé Raheem Sterling qui était fait goal tout. Raheem Sterling qui était scoré dans 35e minute de jeu. Une superbe action, une superbe contre que City t'a fait. C'est Phil Foden qui jouait pour Raheem, qui fait contrôle là avec le pied. Goal là, contre le pied. Belle bagaille. City 2-0. C'était donc score jusqu'à fin mi-temps. Et puis, dans fin mi-temps, il y a Phil Foden. Parce que hier, Guardiola quand même a eu le choix entre Bernardo Silva et David Silva. Riyad Mahrez, il a choisi Phil Foden. Ils sont jeunes milieux de terrain qui sont dans cette formation City. Il n'a que 20 ans, Phil Foden. Qui te fait goal pour City. Donc 3-0 à la mi-temps, je veux dire, cabrit 8 pour Liverpool. Deuxième mi-temps, City continue à dominer, il y a très large possession de balle, il y a étiré à gauche côté nous jouons Raheem Sterling ou encore Mendy, il y a étiré à droite côté nous jouons Phil Foden, Kai Walker, il y a Dusty dans le milieu terrain, Rodrigo, Gundogan, il y a déplacé Kevin De Bruyne. Et donc, City t'a obligé Oxlade Chamberlain by tête goal. Donc, tu bats Liverpool proprement pendant 4-0. Eh bien, ça n'a pas gagné ici, parce que nous connaissons Liverpool champion déjà. Donc, City connaît le deuxième déjà. Mais c'est une victoire pour la vérité. Pour l'histoire et pour la vérité, pas vrai? Parce que ça crive, c'est que nous connaissons City un record de 100 points que nous avons fait dans le championnat. Je crois que c'était en 2018 avec Guardiola, bien entendu. Liverpool a des possibilités pour dépasser le record ça. Et ceci amplement. Donc, City lui-même, il fait partie sur le il prend 3 points. Donc, Liverpool, et là, il aurait été pour jouer 6 matchs, il y a 18 points qui dehors. Liverpool capable d'arriver jusqu'à 104 points même, et si au fond parcours parfait. Donc, City parle que c'est eux-mêmes qui pourra le faire 3 points à Liverpool pour le classer championnat net.
Et puis là, c'était 32e journée qui t'a bouclé. La 33e journée, li a fait week-end. Là. Demain, nous avons Norwich Brighton. Manchester United à 10h a joué face à l'équipe Bournemouth. Là. C'est dans Old Trafford que le match a fait. Donc c'est United qui a recevoir. Demain, tout le monde est sur Crystal Palace. Arsenal a placé Wolverhampton, c'est à 12h30. Moun pou ki poko gade Wolves yo, nous souhaitons nous inviter nous faire ça, gade Wolverhampton, nous pas déçu du tout. Al gade Wolverhampton vin din san passé, son belle équipe. Y a recevoir Arsenal à 12h30 demain. Et puis gen Chelsea Watford k'ap fèt demain tout, mais c'est à 3h. Nan dimanche, n'ap gen Burnley Sheffield, Newcastle West Ham, Liverpool face à Aston Villa, c'est pour dimanche à 11h30. Southampton Manchester City, c'est pour dimanche à 2h. Et puis, journée salabgué pour le fini lundi avec Tottenham face à Everton. Match qu'a fait lundi à 3h. Donc, Liverpool, nous connaissons déjà, 86 points de classement. Équipe Manchester City en deuxième avec 66, Leicester troisième, 55, Chelsea quatrième, 54, Manchester United cinquième avec 52 points, Wolverhampton sixième avec 52 points, tout Sheffield United et septième, 47 points. Donc, il y a un paquet d'équipes qui vient craser Big Five. Là. Sa Big Five, là, c'était Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal. Et puis, on a ajouté Chelsea. Et l'on vient mettre Tottenham, il fait top 6. OK, top 6. Donc là, nous jouons des troubles faits. Leicester, Chita Collado, il n'y a pas voulu aller. Wolverhampton, monte tout. Sheffield United, monte. Donc, nous jouons 3 intrus dans le top 6. Ça qui est comme conséquence, bien entendu. Arsenal 2, yo. Et équipe Tottenham 2, yo. Pas dans le top 6. Là. Arsenal 8e avec 46 points. Tottenham. Et 9e à 45 points, le jeune Burnley qui également gagne 45 points. Dans le classement buteur en Angleterre, c'est Jamie Vardy. Vardy qui gagne 19 goals et qui dans Leicester. Daddy Yanks, Southampton qui gagne 18 goals. Allez, ça, monsieur, pas fait goal du tout en Angleterre. Aubameyang qui dans Arsenal, lui-même, qui gagne 17 goals. Et Execo à Mo Salah qui a joué dans Liverpool. Yo, chaque qui gagne 17 goals. Bon, ouais. Nous, on panasse déjà, on a toujours un panasse. Parce qu'à chaque chapeau, on a un petit peu de fraîcheur. On parle de ça, on a besoin de boissons, oui. Capable de l'eau, capable de boissons gazeuses, boissons alcoolisées. René Manager, 37, 34, 24, 69. Parce que pose fraîcheur, pour me faire ma boue. OK? Nous, on panasse. Nous, on digital cap. Nous, on judelé. Qu'est-ce que tu parles là? Oh, femme dit Barbara. C'est Barbara généralement qui est habillée, mais comme panasse avec Mikado, bon, on marque à la culotte. Je dis à c'est Mikado qui sous moi. Nous avons des maquages à la culotte dans le football, pas vrai, ils sont serrés. Si l'on peut mettre au panas, on mettre au Mikado. Comment ils sont belles, tout merci, panas. Nous songeons que nous avons un speaker là, les speakers de radio, tout oui. Les, et nous avons un boombox panas que nous avons là, et nous avons, attention, trois bons d'achat. Balbay. Donc, partagez live, partagez live, partagez live, vous avez besoin d'une. Oui, merci beaucoup. Grégory dit que nous sujet à nous. Merci beaucoup. Pour le cadeau. Et Greg dit, si l'on voit le sujet, nous t'a rappelé ça, mon yo. Sujet à jeudi. Gon rumeur. Gon rumeur en Espagne. Et quoi que, Messi pas vle rete dans Barcelone encore. Donc Messi qui dit, la fin fait contrat que le gars a pas ça. Ça fini en juin 2021. Et après ça, la quitté Barcelone. Ça, c'est rumeur, là. Moi, bien répété. Rumeur. Maintenant, la presse espagnole dit Barcelone a préparé une prolongation de contrat pour Messi. Il a prolongé jusqu'à 2023 et il a proposé un salaire annuel de 35 millions d'euros. Maintenant, question pour moi, fanatique Messi, ou qui pas fanatique Messi, selon vous-même, entrer dans Barcelone, à aller dans l'autre équipe, qui ça ou pas c'est capable? Puis bon choix pour Messi. Sujet A, entre rester dans Barcelone avec quitter Barcelone, ça vous pensez qu'il y a meilleur choix pour Lionel Messi. Parce que la presse dit, Messi tellement pas content façon que dirigeant a géré Barcelone, il est tellement pas content avec le dernier résultat que Barça a fait, yo. Notamment Barça qui est 5 ans après la Champions League. Donc Messi, clan Messi, vous pensez une fois que
contrat 2021 arrivé, Messi a quitté l'équipe là. Donc ou même est-ce qu'on pense que c'est un bon bagage pour Messi s'il quitte FC Barcelone? Oh, c'est toi la réponse sur là, le Real est quitté. Derrière l'Instagram, baby. Oh, le Real est quitté. Merci beaucoup Greg Bull. Et merci à Barbisor, Barbisor qui est toujours habillé, le pas pas mettre le jeune là, pas vrai? Nous avons un uniforme Panas, nous avons obligé de mettre le pas vrai Panas. Donc, Bobby Sock, qui a rejoint Pétionville là, Berté. Ouais, Berté. Marcel Trouon, c'est comme ça que Ruyan lui relé. Ou a rejoint Bobby Sock. C'est Emilie qui m'a qui aime, c'est elle qui m'a coiffé, s'appelle Sarafina. Sarafina a viré les cheveux pour moi parce que je ne comprends pas. Vous comprenez? Et puis, Fabrice Richard, il y a des gens qui oh, Instagram, comment nous sommes? On est bien aujourd'hui. Hein? Merci beaucoup. C'est le 10e numéro Sheshe Game Over. Et mon Instagram, je suis content de la remplir. Car nous sommes là, mais est-ce que nous sommes là? Je sais pas. Tout le monde a fait Instagram la semaine passée. Non, ça, c'est pour Facebook. Peut-être que nous avons un bon d'achat, ok? Insta. Et Nali, toujours la gare, c'est Nali, nous avons un bon d'achat. Merci, pas grand-chose pour le prouver encore. Nali, mais un bon d'achat. Un bon d'achat pour Nali. Premier bon d'achat pour Nali. C'est quoi ça me dit son live pour l'histoire et pour la vérité. Je suis autant de bon d'achat. Ça pour Nali. Nali, ma chérie, tu as entendu? Dis-moi. Dis-moi pour qu'elle vienne pour bon d'achat, ok? Nali, toujours là dans le live Instagram. Yo. Depuis que vous êtes toujours là, ma pour ça. Pas de mentir dans ça. Ma pour ça. Donc, premier bon d'achat, je vais Nali qui sur Instagram. Et puis, je pense que le dirigeant de ma gère équipe là, c'est ça qui fait mes signes en colère. Bossé après l'élection 2021, Bartomeu ou pas là encore et puis Messi a prolongé. Ça c'est Hobson Tello. Son très vraiment un très bon commentaire que fait la coordination pour venir chercher. Au bout dit si Barça connaît n'est pas prêté, il y a 20 saison ça. Bien entendu parce que si Messi pas prêté venir à Barcelone, il a un contrat jusqu'en 2021, Barcelone gagne intérêt vendre le plus tôt possible parce que sinon Messi a juste choisi côté le aller et club cap là pas bon à aucun. Le bail Barça. Bon comme il était formé, il est capable toujours ballon grave d'ailleurs. Roger Sperd, jodi la Sheshe, c'est qu'on s'allie, c'est une rumeur. En tout cas, n'a prétend pour si Messi a quitté vrai dans fait contrat là. En tout cas, question, mon Facebook, moi, je vais arriver sous nous. Gros rumeur qui fait quoi que, contrat Messi a fini en 2021, et il n'a pas envie de rester dans Barcelone encore. Donc après saison 2021, il a quitté Barça. C'est ça, rumeur là fait quoi. Ou même fanatique Messi, ou même qui parle de Messi, est-ce qu'on pense que c'est un plus beau bagay si Messi quitte Barcelone? Et Nana Jodi, dirigeant Barça, va majeure Messi. Richard Jean-Baptiste, oh Richard, toujours là, oui. Mon Neymar, il retire quoi dans sa nouille, ça fait des morts, pas pour les champions avec PSG et tout. Mais bon d'achat. Richard, bon commentaire. Mais ça, pile, vous êtes saga pour vous. Moi, je vais nous en pile. Comment nous, c'est joie que vous portez pour moi, très apprécié. Vraiment, réactivité, nous. Chilo, réactivité. Pas de problème. Cela est pour l'histoire et pour la vérité que nous avons fait aujourd'hui. Là, nous avons comme ça. Nous sommes traditionnels, mais ce n'est pas grave parce que c'est cadeau. Nous avons fait Facebook, nous avons partagé live. Partagez. Fais-moi la partager parce que. Mais bon, box ça. Nous avons fait deux bons d'achat dans Instagram. Richard Jean-Baptiste, dis-moi. Dis-moi sur Instagram pour faire coordination pour faire un bon d'achat. Nous avons fait ça. Son n'est pas. Son mix qui mixe le gars. Sonnez bien! Il faut payer, non? Maintenant, je vais vous donner un mix. Le monde vient payer, papa. Donc là, nous sonnez bien. Il faut partager la vie. Comment est-ce que ça? Bon, si, bon, je vais vous partager là. Oh oh. Je vais vous donner un partage. On va aller à 1000. On va aller à partager. Cher, moi, dégagez-nous. Fanbase, Sport Pam. Et tout le monde, on va partager. Pour faire 1000 partages là, pour ne pas panaz ça. Parce que panaz, manager panaz dit, désormais, yo c'est sponsor officiel Sheshe Game Over. Oui, waouh, comment on parle de Cordialine? Donc, nous partager, on monte encore. 1000 partages. Oh, nous qu'on fait. I don't know, je ne sais pas, je vais regarder. Manager me dit, c'est dans 2000 partages, on baille. Oh. Et même voilà, parce que là, nous avons une prolongation. Nous avons partagé, nous continuons à partager. Le manager me dit que c'est dans 2000 partages. Je me dis comment tu continues à partager. Mon cher, là, Romuald Blanc, ça fait oui. Romuald me partage, donc moi, le frère. Mais moi, je me
Walgi Paul dit, moi pense que c'est pression Messi a mettre sous dirigeant yo. Là, je pense que c'est un bon commentaire parce que nous, ça fait 2-3 fois ça répété. À chaque fois pour Messi prolonger dans Barcelone, c'est pas Messi personnellement, le clan Messi. OK, la famille Messi, toujours une rumeur, yo fait courir comme quoi Messi pas prêté. Qui mon cap gagne 6 ballons d'or pour quitter l'aller. OK? Donc depuis on dit Messi pas prêté, on balle plus comme. Parce que là, il y a quand même parlé de 35 millions d'euros que vous allez proposer Messi pour le toucher là. D'accord, avant. Pierre-Louis Jules, partagez la live, partagez. Et grand maître que le père, ouais, deux grands sportifs comme ça, aussi compétitifs, aussi talentueux, parce que monsieur, non, vraiment, non, Dieu là, ça fait plus de 10 ans. Hein? Depuis l'époque 2009-2008, monsieur, non, Dieu, et il a toujours été au sommet. Après, il y a faut ne pas faire comme ça. Nous partagez, hein? Merci. Et Sasu Greg dit Chichi, I love you. I love you too, Sasu Greg. Jabi Mackinson dit Wap by mon Instagram, kado wap di mon Facebook partage. Oh! Jabi, par contre, ça parle à Jabi. Oh, Jabi, pas fait ça, non, Jabi. Ou pas trouver speaker pas d'assez? Oré! L'équipe, le, c'est pour le faire attaque placée, pour prendre les scores, pour sortir belle avec ballon, les fait. L'équipe, tout le match est difficile, les connaissent, c'est jeu direct, c'est verticalité terrain pour chercher, pour aller 3-4 passes, pour mettre l'adversaire dans le chaos, les fait. Donc, je pense que l'équipe Zidane, Ziggy dit plus habite, là, pas fait ça, Ziggy. Je pense que l'équipe Zidane, c'est une équipe qui est très compétitive, c'est une équipe qui est très directe, c'est une équipe qui a une grosse force mentale, mais puriste football, les gens qui remettent à toi, à moi, les gens qui remettent football qui fait comme si c'est un, deux, et d'un de ces, les gens qui football chaque fois, à une touche de balle, je pense que préféré Zidane Del Bosque. Del Bosque, on a dit. Jean-Anderson Breville, Lascaobas présent. Bisous, Lascaobas. Tout le monde qui est dans 10 départements qui branché, merci. Mon République Dominicaine, mon Chili, mon Brésil, mon États-Unis, mon Florida, mon New York, pour yo précisément. Bisous. William Spelfleur dit déjà bon 2001 partage. Oh, William Spelfleur fait ça. 2001 partage, je fais pile. Je suis vraiment content parce que nous avons interagi avec moi, nous avons répondu à des questions, nous avons parlé avec vous. Ça montre que nous sommes contents de travailler, nous apprécions le travail, nous avons vivre show ensemble avec vous. Ça donne plus courage, plus motivation, plus détermination. Et je vais chercher cadeau. C'est chaque vendredi pour me faire cadeau. Moi, je leur dis, moi, chichi, ou son cher, oui, bisous. Côté réponse, OK. Yves Sanderson, Augustin dit. Moi, penser faut que dirigeant doit acheter puis bon joueur Messi qui a joué un résultat. Est-ce que bon, ça a un problème joueur? Ma fin quoi ça non? C'est quand même Griezmann qui était dans Atletico, Luis Suarez qui était dans Liverpool, Lionel Messi qui devant. Ma quoi Sergio Busquets qui dans mitan terrain. Ma quoi bon, ça a un problème de joueur probablement. Non, ma quoi ça. Plus quoi c'est qui est qui pas capable jouer une formule gagnante là. Quel est le travail qu'a continué? Yo acheté Philippe Coutinho pour un paquet de cob, yo pas bien utilisé. Il a acheté pas quoi Alcacer, Alcacer aller. Il a acheté Martin Bressuet, garder travail Bressuet. Donc on pense direction sportive, pas ça fautif, on pense staff technique là, pas capable élément yo gen dans meyo, yo pas capable faire yo jouer créer automatisme, mettre yo dans yo plan pour yo à l'aise avec l'autre pour équipe produire bien jouer pour équipe faire résultat. Parce que si n'a pas les deux joueurs Atalanta là qui bat tout le monde en Italie, qui joue le game? On a dit. Merci Dieu Peno. Merci à aller vrai chilo, vrai à pi bon poli. Bon, probablement. Bien-aimé Junior qui sont chers, il dit moi partager dans groupe yo. Mais c'est comme elle fait ba et bon box là, gardez chers moi gagner. Jean MC Abidi, merci besoin joueur qui pour aider équipe là surtout yon takou Neymar. Mba c'est ça. Mbese, malgré achabo, Dembele a son comme gaspillé net, Ousmane Dembele. Malgré achat Coutinho, malgré achat Griezmann, moun ke Barça a cherché pour placer Neymar là, il faut que j'aime jouer ni. Et meilleur Barça que n'te gagné après El Guardiola, c'est Barça qui te gagné Neymar là. Depuis après départ Neymar en 2017, Barcelone en tâtonnement. Yo prend Dembele, yo prend Coutinho, yo prend Griezmann, mais yo pour que j'aime jouer yon élément. Tant Neymar qui est capable aussi bon, qui est capable de sacrifier pour Messi, et le Messi par là qui est capable de prendre des décisions, c'est Neymar, c'est un gros atout que tu as pour Barcelone. Son dit combinaison Messi, c'est celle de lié. On oublie qu'à chaque pays passe d'elle. Oh, 954, 778, 1910 pour passer là-dedans. Passer là-dedans, oui.
Cash App, PayPal, Zelle, 954-778-1910. Pierre-Louis Jules dit l'apte de radio. Oh, wow, c'est comme ça. Renata Saint-Louis dit qu'il a besoin de monde pour aider parce qu'il est pour col. Il a acheté un vieux chien qui n'est pas connu. Manager, bye bye, oui. Comment tu as dit, manager? Bien, je suis un vieux chien. Tu es bidal. Comment live là, il a dit en ligne? Non, non, je veux juste avoir des chiffres. Moi, je vais te faire 1000 partages. Je vais faire fini, je vais faire cadeau. On a combien de personnes là maintenant? Ok, maintenant, je vais faire cadeau vendredi prochain. Et Jonathan Merville dit, she love une plus belle de joie. Merci, c'est un cher. Alexandre Camille dit, Chichi, tu es super belle et au père belle. Merci. Où est-ce que je veux, hein? Et si l'on fait vite, ça fait me laguer ou fin parler plus juste. Je finis, ok, parce que ça fait me laguer, faut mal dans les affaires. Oh! Je suis mis tout le temps, ça vient pas cadeau, attendez. Paradis, pas de cadeau. Nous partager, ça fait me laguer, Regina, quand j'ai. Bon, moi, Greg, je vais se prendre. Qui est-ce que je vais vous acheter ça? M'apprends rubrique invité spécial, Josué. Bon, rubrique invité, c'est Grégory, m'apprends. Depuis Grégory dit, go, m'apko. Greg, arrange-toi pour me inviter dans le show. Pas vin, pas de prévite tout, non? Vin, ok. Del PC n'a dit, j'en rappelle branché. Bon, pas que tu me cherches pour d'achat. Jean F. qui a dit, Chichi, your hairstyle is beautiful. Thank you. Et Labadi dit, bravo, she love, moi, commentaire, yo. Merci. Jean Ralph Stephen dit, moi, pense que c'est un fan Messi. Bon, je ne comprends pas. Commentaire là, les termes vont venir commenter. Et Hugues le grandit, Messi doit rester. D'ailleurs, staff technique Bossa doit mettre Messi à l'aise. Je le remets. Donc, équipe Pep en 2009. Oh, tellement comme tu as monté vite, ma fille. Oh, bonsoir tout le monde. Florida, Florida m'a annoncé que je suis supposé dans la zone dans le mois de juillet. Mais si on a quoi, ça va venir, non? Je suis supposé venir Florida pour venir faire deux chichi game over Florida. Donc, première tournée, c'est Florida. Ok? Dans le mois de juillet, ça me supposé venir Florida. Si nous avons kay ou augmenter m pa vini. Si nous avons kay même genre 10 000 par jour, m pa vini tout. Faut que diminue pour m vini. Mais si yo diminue, m'a fin fête avec maman et ta bagay maman, m'a fin fête avec maman mon Carmel, tout de suite m'a vini Florida. Si Messi a le championnat a manqué visibilité, mais il tape pour Messi tout. Pa chom ka fin les commentio, ta moi yo en pile. Rigo René, moi c'est un top fan pour Yoane. Rigo René, top fan plus un. Rigo, je ne connais pas Haïti. Top fan plus un, c'est où je suis top fan plus un. Je pense que je suis Fofa de Nazareth. Fofa de Nazareth, ou Haïti? Parce que si je pas Haïti, je ne suis pas capable. Faut venir chercher. Faut venir chercher. Et si ce n'est pas Rigo, c'est Fofa. Parce que super fan, c'est bien. Cheron, c'est bien. Top fan, c'est bien. Mais où est-ce plus un? C'est où fait plus ballon d'or que Messi, où fait 7 ballons d'or, 8 ballons d'or. Vous comprenez? Et côté ton fan plus de mieux, commentez encore moi. Mon amour, commentez encore. Commentez encore pour m'aider cadeau pour m'aller. Nous continuons à partager. En secoune, des bons cadeaux, il est giveaway là. Je me songe. Je vais cadeau. Mon qui te joue un cadeau giveaway, je ne peux pas couper. Ok, Fofa de Nazareth. Yo paquet achat fou, yo ben ça fait pour te combler vite n'aime. Fofa. Et Léo Oggs Haïti dit tellement partagé Facebook bloqué. Mais Léo, mais mes cadeaux, chérie. Léo, voici ton cadeau. Léo OGS Haïti, notez pour moi. Léo OGS Haïti. Léo OGS Haïti. Léo OGS Haïti, si Facebook bloqué parce que vous partagez trop pour chichi, faut que chichi bon. Tête panas. Léo, tu fais pas non? Même sur Facebook bloqué, c'est pour 24 heures, oui? Ou pour partager, oui? Le dit, ok? Léo, c'est où? Ok? Léo, nous notez pour moi. Léo OGS Haïti. C'est vous-même qui gagnez panas. L'autre top fan, moi, yo. Merci beaucoup. Cher, moi, yo. Merci. Super fan, yo. Merci beaucoup. Top fan plus un, yo. Merci. C'est vous-même qui force Chichi Game Over. C'est vous-même qui a fait live ça pour la vérité, pour l'histoire. Ok? Donc, pendant ça, c'est pour Léo. Oh, je vais mettre un bon d'achat. Je vais chercher un autre monde pour me faire un bon d'achat. Je vais tout encore dans le commentaire. Jules, tu as un bon d'achat déjà. Jules, tu as un bon d'achat. Ok?
Jules Bel bébé ou te jeune bois d'achat non giveaway là m'tourne encore moi Abelodi et moi moi besoin yon super fan ou bien yon top fan pour m'bay Léo OGS Haïti écrit dans 37 34 24 69 OK écrit dans 37 34 24 69 pour faire coordination pour ka ba ou boombox panel ça qui dans même là qui est m'bay m'go bois d'achat là pour m'bay Pierre Louis Jules qui a le jour de jouer un cadeau dans le giveaway là en bas l'autre monde et Nathanaël qui a été joué tout gros monde qui était monté là Raven Bisset et bon bah ouais monde pour bado pour d'achat bah il y a après malé bah il va carré encore ça fait me laguer libre à 8h merci je dis bye gros pour le gars chaque vendredi bye pour le gars parce que faut bye cadeau pas vrai merci toujours partager live abonner à chaîne YouTube là vendredi prochain chaîne YouTube si love là bon niveau le monter ma bay 3 4 000. Vendredi prochain invitez vos amis vos femmes venir abonner à chaîne YouTube si love Perrin chaîne YouTube si love Perrin après live là m'a mettre lien sur Facebook m'a mettre lien sur page juste cliquer sur lien là maintenant sur YouTube là abonner partager pour moun yo parce que gon jan que chaîne là monter vendredi prochain supposé bay 3 4 cadeaux. Je salue le bleu communication. Salomon, qu'on a regardé live. Je salue tout le monde sur Canal Plus. Donc, merci. Malade, je me dis, je vais me laguer. Je vais finir, je vais finir. Donc, je vais faire mon achat. Et je vais faire vendredi prochain. Abonnez à la chaîne. Toujours partager live. Commentez. Tout ça me mettez. Commentez. Tout ça me postez. Partagez. Chaque vendredi, je fais des heureux. Bon week-end, on a nos affaires. Bye bye tout le monde. Reprise demain soir à 6h sur channel YouTube. She Love, Sheshe Game Over, lundi, mercredi, vendredi, 7h. Live sur Facebook, Instagram, Twitter. Reprise mardi, jeudi, samedi, 6h sur YouTube. Notez, c'est Panaz qui patronne. Sheshe Game Over. Bye bye.